Bonjour mes chères apprenantes, bonjour mes chers apprenants et bienvenue sur votre chaîne YouTube Soutien scolaire avec le prof Malika Issa. Bienvenue dans cette leçon de lecture qui a pour objectif découvrir et reconnaître leçon français. Voyons aujourd'hui leçon ou, comme dans les mots un loup, un ours. Je vois leçon ou et j'entends également leçon ou. Trois doigts font le ou. Deux doigts font le u et tu dis ou en avançant. C'est le ou du loup. Maintenant, apprenons 10 syllabes avec le son OU. D'abord, le son OU s'écrit avec l'association des deux voyelles O et U. Alors, M avec OU fait MOU. P avec OU fait POU. C avec OU fait COU. Ici, j'entends le son EC parce que la lettre C est suivie de la voyelle O. F avec OU fait FOU. R avec OU fait ROU. N avec OU fait NOU. Passons à lire des mots avec les syllabes LU. Mou comme dans le mot mouton. Pou comme dans le mot poule. Cou comme dans le mot couteau. Fou comme dans le mot four. Roux comme dans le mot rouge. Nous comme dans le mot nounours. Passons maintenant pour appliquer ce qu'on vient de découvrir ensemble, toujours en suivant la méthode syllabique, prenons le manuel Coquelicot, CP, page 35. Je lis la consigne. Je découvre des mots avec le son OU. La première image, rouge. Rouge, ici on a deux syllabes. Roux et je. Roux associe à je, ça se lit rouge. Le son OU se trouve dans la première syllabe. Deuxième image, un couteau. Couteau. Ici aussi on a deux syllabes. C avec OU, ça se lit cou. T avec E, A, U. Ça se lit tôt. E, A, U fait le son O. Le son O se trouve dans la première syllabe. Troisième image. Mouna. Deux syllabes aussi. Le son O se trouve dans la première syllabe. L avec A, ça se lit na. Et je lis le mot mouna. Un four. Four, ici, on a seulement une seule syllabe. F avec OU, ça se lit fou, plus la lettre R, je lis le mot four. Deuxième consigne, coche quand tu n'entends pas le son OU. Découvrons ensemble les images. Mur, 12, ours, rouge, noir. Comme vous voyez, le mot mur contient seulement la lettre U. Et le dernier mot noir contient seulement le son O. Donc, ces deux mots ne contiennent pas le son OU.
Lisons ensemble les syllabes suivantes. Mou, pou, tou, lou, nou, dou, bou, rou. Question suivante. Lis les mots. Entoure les mots où tu vois où. Alors, lisons les mots ensemble. Noir, rouge, ruban, pomme, four, stylo. Donc, ici, on a deux mots qui contiennent le son OU. Le mot rouge et le mot four. Il est à noter que on n'entend plus O ni U, mais que ces deux voyelles ensemble forment le nouveau son qui est OU. Et pour finir cette leçon, faisons cet exercice afin de s'entraîner. Voici une image. Observez bien et essayez de trouver tous les mots qui contiennent le son OU. Pour vous aider, voici quelques questions. À quoi joue la fille? La fille joue avec sa poupée. D'après vous, pourquoi ce jeune homme tousse-t-il? Il tousse parce que il a la toux. Où est le chat? Le chat est devant le four. Comment appelle-t-on cet oiseau? Cet oiseau s'appelle le hibou. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte à outils. Que voyez-vous dans le tiroir? Ce sont des clous. Quel animal voyez-vous à côté de la boîte à outils? Voici une souris et voilà une fourmi. C'est la fin de notre leçon. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.